prochaine, ça va être le grand débat qu'a annoncé Emmanuel Macron pour répondre aux gilets jaunes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que justement discuter avec... Ça m'inspire pas confiance. Cette personne m'inspire pas confiance. Pourquoi elle m'inspire pas confiance? Parce que je crois que c'est le premier président de la République que j'ai jamais voulu reconnaître depuis qu'il est passé. Mais ça, c'est mon avis personnel. Enfin, pas l'avis des gilets jaunes, hein, c'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, aucune organisation, ou peu d'organisation, peu de coordination. Les communes, les mairies ne donnent pas de salle, alors qu'on est quand même, je pense, un grand mouvement qui est peut-être apolitique, mais qui a quand même une résonance politique, puisque derrière tout ça, c'est des lois qu'il va falloir voter. Enfin, c'est changer le système pour plus de justice sociale. Hein, et puis tout ce que les gilets jaunes peuvent porter comme doléances sur les cahiers qu'on va faire remonter à l'Assemblée nationale. Vous y croyez pas? J'y crois pas parce que pour l'instant il n'y a pas réellement de gens Non, c'est pas tellement qu'il n'y a pas de gens. Il y a des gens certainement qui sont de bonne consistance et qui sont capables de représenter les gilets jaunes. Mais le souci c'est que on n'a pas eu la possibilité de le faire. Un cahier de doléances dans les mairies, des choses comme ça. Moi j'ai imposé un cahier de doléances. Enfin j'ai imposé. J'ai pas été le seul. On a été, si vous voulez, plusieurs à imposer un cahier de doléances à la mairie. Et ma principale revendication, c'était d'avoir une salle, premièrement, pour avoir une permanence, parce que les députés qui ont des permanences, et nous, on prend quelque chose. Une salle aussi, donc le matin, pour une permanence, pour pouvoir recevoir les gens qui sont dehors, qui sont sous la pluie, qui sont sous la neige, les personnes âgées, les handicapés, les enfants. Nous, c'est ce que pour la sécurité, parce que nos élus nous doivent protection. Donc il nous faut des salles. Ça, c'est ma première priorité pour qu'on puisse s'organiser. Et le soir aussi, pour avoir des réunions, pour que les gens puissent apporter des doléances et puis faire remonter un consensus. Dans un consensus, c'est quelque chose. Or, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité. Donc j'aurai d'abord, qu'est-ce qui va pouvoir ressortir d'un grand débat aujourd'hui, si encore il y avait les moyens pour faire. Et si justement, près de chez vous, ou d'ailleurs quelque part où vous passez, il y a quelque chose d'organisé, est-ce que vous participerez? J'y suis allé hier, j'étais à Châtain, il y a eu une réunion de plusieurs gilets jaunes qui se montent en association, en fédération peut-être. Donc il y avait à peu près 70-80 personnes avec le maire qui était là, qui a prêté la salle et qui a fait un joli discours, qui est sans étiquette et qui a dit que en fait, je ne parle pas en son nom. Mais j'ai cru comprendre qu'il disait que le mouvement était, ou la cause était juste. Voilà. Moi, j'ajouterais qu'elle est juste et non. Donc, pour reprendre ma question, si vous avez, s'il y a possibilité de participer quelque part à ce grand débat, vous pourriez y aller? Il n'y a aucun souci, si je suis sur place, c'est pas de problème, puisque moi, je compte rester deux jours aujourd'hui faire la manifestation sur Auxerre ou ailleurs, hein, où les gilets jaunes iront. Continuer à faire les actes, parce que là, on est sur la pied 9. Savoir si il y a un grand, si grand débat est organisé, est-ce que vous participez? Alors, le grand débat, je ne sais pas. Ben, si y a une réunion justement dans à Auxerre ou dans le coin, s'il y a une réunion, est-ce que vous pensez que ce sera possible, est-ce que vous voudriez participer? Si je suis convié et puis que je suis avec mon ami Steph qui marche, et qu'il a la possibilité d'y aller, lui aussi, oui, bien sûr, si on est convié, et ça permet encore d'apporter un peu plus d'expérience, peut-être plus de transparence aussi, je ne sais pas, enfin, on va dire quelque chose qui nous sert à tous, qui sert à la cause. Ok, merci beaucoup. Bah, je suis content de vous voir. Eh ben, on est content de te voir. Ça va, merci. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel.